Boker Tov, Shavua Tov, Chodesh Tov, Akol, Besmachot, Amen, 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 Amen. Malgré, ce soir ce sera Yom HaShoah, comme vous le savez. Aujourd'hui nous sommes le lundi 17 du mois d'avril et nous sommes le 26 du mois de Nissan. Nous avons un shiur acheté par notre ami Valérie pour l'élévation de l'âme de son papa Mahlouf Ben Moshe. Ruach Hashem, Tenachenu, Begane Eden, Elion, Bechol Shochovim, Imo, Bichlal, Arachami, Vaselchot, Bechen, Yehir, Atson, Maramen, Tishmato, Torah, Haim. On pensera en même temps à l'élévation de l'âme de Gisèle, Mazal, Bat, Sipora, Gérard, Yosef, Ben Israël, Zetoun, Elian, Sassia, Bat, Echmina, Esther, Bat, Noyam, épouse, Cohen, Salmon, Fresh, Ben Fortuné, Patricia, Arleb, Bat, Zahira, ou l'élève, Elfa, Avdalim. Une grande refoua, Shlemar, Lama, Meira, Obriou, Tetana, Lechol, Chilim, Lechol, 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 Atar, Vata, Morat Imi, Sarah Batalia Batifrat Miriam, Yada Ben Esther, Haya Ruchama Esther Batrifka, Jean-Luc Soumou Ben Zira, Mir Ben Ruth Soufan, Sarah Batsasia, Hillel Ben Sarah, Jean Miriam Bat Sarah, Eric Shua, Hai Ben Arlet Kuka, Vechen aussi Rachel Bat Silvet Gezala, Haya Bat Sarah, Cher Ben Moshe, Jami, Mazal Tov Evelyn Ben Batalis, le Mishpachat Ben Shabbat Eden, Teila Bat Esther, Luka Bat Esther, Hana Bat Deniz, Nathan Ovadia Ben Sarah, Vechen Michel Aaron Ben Simcha, בכל חולי ישראל, בכל אתר ואתר, ומספרון, נחלמה מהירה ובריאות איתנה של כולם. פשוט אני אסתם, אם ראתם, אני אסתם, וואלה, קהילה. אליהו בן פורטוני מזל, כי הוא סוות עושי עם פחום תאורי תביסמו. יאהבו תוס, גרון הצלחה בעזרת השם, ישועל ונחמות. למה דו יער, זו שכה דו ג'ור פורסת עני 2023, מונדרדי יש שבת. Donc Shabbat, il y a deux parachutes, c'est long. C'est bien. Tazria Metzora. Deuxième Sefer Torah pour Rosh Chodesh, de par lui-même. Et ce mois de Iyar est un mois intermédiaire, très important dans le judaïsme. Vous savez qu'Alpi Alakha, une femme qui divorce malheureusement de son mari, eh bien, ne peut pas se remarier, si ce n'est qu'après combien de mois ? Trois mois. Pourquoi trois mois ? Pour exactement constater, puisque à partir de trois mois, de là, le minhag d'ailleurs d'annoncer au bout de trois mois qu'on est enceinte, puisqu'on attendait trois mois, on dirait qu'elle a avalé une pomme, une espèce de bidon qui commence à se former vis-à-vis du ventre, une espèce de pseudo-forme comme ça, où on peut déjà annoncer que l'embryon est parfait. Et donc, pour être certain qu'elle n'est pas enceinte de on ne sait pas qui, bon, aujourd'hui, on a des systèmes pour voir à travers les prises de sang de qui est l'enfant. Mais donc, trois mois, on doit laisser s'écouler pour pouvoir se marier. Et le peuple d'Israël, malheureusement, comme c'est marqué « Goy mikerev goy », c'est un peuple qui s'est marié avec l'Égypte quand il était en Égypte, à l'image d'un embryon qui est marié avec sa mère lié par le cordon ombilical. Donc, on est d'une certaine façon marié et on peut considérer de façon imagée que la sortie d'Égypte représente le divorce du peuple d'Israël avec ce malade pervers narcissique qui était l'Égypte, d'une certaine façon un pays toxique, qui te rendait fou dans sa façon extraordinaire de manipuler, comme le dit le Midrash, c'est pas moi tout ce que je vous dis, vous le lirez dans le Midrash Tanhuma, c'était un très très grand manipulateur pharaon, exceptionnel, à un tel point qu'il était capable de te rendre esclave et de te faire croire que c'était un mérite d'être esclave pour lui, carrément. Et de faire de lui un dieu. Regardez un petit peu les midrashs de ce que voulait faire Pharaon. Vous étudiez la psychologie du pervers narcissique. C'est le même personnage décalcable. Mais la reine, d'ailleurs, un pervers narcissique se prend pour dieu. Bah, lui, il se prenait pour dieu. Vous voyez un petit peu de quoi on parle. Mais la reine, dans cette situation, eh bien, il y a eu un divorce. Il faut savoir que Akadosh Baruch Hu est venu divorcer pour sauver le peuple d'Israël de cette union toxique qui l'emmenait vers les plus bas-fonds du désespoir. Et comme on l'a vu, 80% sont morts en Égypte. C'est marrant parce que l'Égypte, il y a 80% qui sont morts, 20% qui sont sortis. Et les psychiatres confirment que 20% des suicidés sont des victimes de pervers narcissiques. C'est fou. Bon, les chiffres se balancent d'un endroit à l'autre. Velachen, on ne pouvait pas marier donc le peuple d'Israël avec son nouveau Khatan. Le peuple d'Israël a été marié à Pharaon et son Égypte. Et voilà que maintenant, il va rencontrer enfin son Zivou Gagoun, le Créateur.
Un mariage non consentant avec qui? Avec l'Égypte. Ben, il nous a eu. Ben, qu'est-ce qu'il a fait l'Égypte? Elle nous a présenté, comme le dit la Gemara dans Ktubot, elle nous a présenté une facette très Gan Eden, très jolie. Je t'ouvre la porte, je te parle, je suis adéquate. Vraiment, ce que moi je définis dans mon livre sur les pervers narcissiques comme étant vraiment des démons au visage d'ange. C'est ça un pervers narcissique. C'est un, quand tu vois un ange social, machin, alors qu'il est complètement inasocial, qu'il est hypocrite dans tout, qu'il est acteur dans toutes ses. Dans toutes ces manifestations, c'est incroyable. Et c'est exactement ce que nous dit l'histoire de l'Égypte. C'est un pays qui était toxique. Celui qui rentrait là-bas, il perdait l'espoir, si ce n'est que de s'accrocher à l'Égypte, parce que l'Égypte faisait croire que sans l'Égypte, il n'y avait plus de monde possible. Et c'est exactement ce que fait croire le pervers narcissique à sa victime. Il fait croire que sans lui, l'autre n'existe plus du tout. Tu n'existes pas. Sans moi, tu peux même pas respirer, quoi. Je veux dire. Et Pharaon va prendre une grande, grande leçon. Et ce peuple d'Israël va quitter l'Égypte avec, d'ailleurs, le syndrome de Stockholm. Si vous le constatez, qu'on trouve encore comme étant le virus qu'insère le pervers narcissique dans ses victimes, c'est qu'une fois qu'on l'a sauvé de cet harcèlement moral qui est une Shoah psychologique, hein, faut le savoir. Bon, pour ceux qui connaissent, c'est quoi vivre avec un pervers narcissique? C'est une Shoah. Je veux dire, comment tu peux comparer la Shoah physique avec la Shoah? Je vous le dis, c'est une Shoah psychologique. Soyez d'accord ou pas. Eh bien, plongé dans le désespoir, on verra que pendant 40 ans dans le désert, on veut retourner encore en Égypte. Ça veut dire on veut retourner chez Pharaon. C'est un truc de fou. Même à la fin, quand on nous donne à manger, on dit « Ouais, mais enfin bon, en Égypte, on avait du poisson gratuit. C'est fou. C'est-à-dire, c'est un truc de fou. Bon, mon mari, il m'a peut-être détruit, ou ma femme m'a peut-être détruite, mais quand même, j'avais quand même à toi. N'importe quoi. Réveille-toi. Où tu mets tes pieds. » Ça a été très, très compliqué. Et donc, nous sommes enfin arrivés. On a fait un chidour. Baruch HaShem, Israël a fait un très beau chidour. Moshe Rabbeinu, c'est le chatran, bien sûr. Vous avez bien compris. C'est lui qui présente. Je vous présente HaShem, l'éternel Dieu d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et donc, le chidour se passe bien. Israël accepte volontiers de prendre Baruch HaShem, la tabat, qui est symbolisée par quoi? La matzah. La matzah, c'est la tabat. C'est la bague. C'est la tabat. C'est la matzah. C'est pour ça qu'elle est ronde. C'est une des explications qu'on avait données. Donc cette fameuse matzah, qui ne nous quittera jamais. Et bien sûr, Ark et Gigit, c'est la choupa. Tu as renversé la montagne, il a préparé la choupa. Il fallait le rabbin. Bon, c'était Ourav Tuitou, Moshe Rabbeinu, ils ont pris Moshe Rabbeinu à l'époque, j'étais pas là. Ezrat Hashem, tout s'est bien passé. Et bien entendu, il fallait la ktouba, c'est l'étape de la loi. Eh oui. Ah, tout y était, hein. Aktouba, le rabbin, la tabat, tout y était, et on était consentants. On était consentants, hein, seulement, il y en a un qui, parmi les invités, lui a dit, ouais, mais enfin, ton ex-mari, quand même, et ça a mis un doute. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a sorti un souvenir de la photo de son mari, rappelant justement la Avodah Zara d'époque, le veau d'or. Et qu'est-ce qu'a fait Moshe Rabbeinu? Il a tout simplement cassé, déchiré la ketouba, de telle façon à ce que, eh bien, il n'y ait pas de divorce possible, dans le sens où il n'y a pas eu de mariage. C'est là que Touba est déchiré et non signé, c'est qu'il n'y a pas de mariage. C'est bien. Ainsi donc, il a fallu attendre 3 mois. 3 mois pour pouvoir nous remarier. 3 mois non abolis, c'est pas 90 jours à proprement dit, mais 3 mois à dire, c'est-à-dire Nissan, Iyar et Sivan. C'est-à-dire, il y a eu 3 mois qui ont été dits à ce propos. Les 3 mois qui ont été dits, Baruch Abba, Ken, Todarabat Sadik. Les 3 mois, à proprement dit, qui ont été cités, vont montrer par là qu'Israël n'est pas sorti enceinte de son mari pervers narcissique, j'ai nommé l'Égypte. C'est-à-dire, donc, Israël n'est pas sorti enceinte. Mais elle est sortie avec un virus. Et ce virus, sachez-le, nous poursuit jusqu'à aujourd'hui. Regardez le cours précédent qu'on a fait sur les conséquences de l'Égypte, entre sortir d'Égypte et monter d'Égypte. On peut sortir d'Égypte, mais on n'a pas encore fait sortir, monter l'Égypte de nous. C'est-à-dire, sortir nous-mêmes de l'Égypte. C'est-à-dire, il y a sortie géographique et sortie psychologique. Extérioriser l'Égypte. Oui, parce que si tu es... on peut tout à fait être en Israël et se comporter comme quand on était en Égypte. Être l'esclave de ses pulsions, manger taref, pas kasher, ce qu'on expliquait dans les shiurim précédents. C'est-à-dire. Et donc, ce mois de Iyar, il est très particulier. Parce que c'est le mois intermédiaire entre la sortie d'Égypte et le don de la Torah. Il est au centre. Et tout ce qui est au centre d'une chose
exige de nous un peu plus de réflexion, un peu plus d'attention. Pourquoi ? Parce que c'est le mois de la guérison. Si vous observez bien, nous avons 49 paliers à gravir depuis la sortie d'Égypte jusqu'au jour du don de la Torah. Où se trouve la quantité principale et abondante de la Sfirat HaOmer ? Dans quel mois ? Hier. Bah oui, hier, puisqu'il y a carrément 30 jours là-bas, révolus, intègres, de chaque jour du mois de Iyar, Ayom, Ayom, aujourd'hui, 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 on va compter. De Pessah jusqu'à la fin de Nissan, combien on a de jours ? 14, on n'a pas le temps. C'est le 15 du mois, le premier jour on ne compte pas, donc il reste 14. C'est là ? C'est pas compliqué. S'il y a 30 jours au moins, 14, Razak. C'est là ? Et Sivan, combien on a de jours ? 6. 5. Pourquoi on en a 5 ? Parce que la Torah a été donnée, le 6 Sivan, et que le 6 ne compte pas, parce que c'est le jour du don de la Torah, c'est le 50e palier, donc il reste 6 moins 5. Razak ou pas ? Pardon, vous m'avez tué. Vous êtes trop, trop fort pour moi, j'ai du mal à... D'accord ? Donc on a 5 jours de Sfirat HaOmer pendant le mois de Sivan. On a 14 jours de Sfirat HaOmer pendant le mois de Nissan. Et on a 30 jours. 30 jours ! 44 plus 1, 49. T'as fini ta crise ? Le compte est bon, il a dit. Ça y est, laissez. Pas shoot. Varim pshutim. Varim pshutim. Donc le Icar de la guérison a lieu quand ? Au mois de Iyar. C'est-à-dire que d'abord, sors du problème, sors du monde toxique dans lequel tu vis et commence à te guérir. Et seulement après, tu peux te remarier. Vous savez que ça, ce que vous venez d'entendre, qui n'est pas du tout le cours que je veux faire là, c'est moi qui me la ramène une fois de plus, préface du cours qu'on va faire sur les 7 raisons de mois de Iyar. Mais c'est comme ça, je suis comme ça, elle me la saute. C'est le problème majeur de tous les problèmes du Shalom Bayit. Beaucoup de gens, il n'y a pas besoin d'être marié avec une personne au préalable. Hein. Il suffit de sortir d'une famille toxique, ou d'un père, ou d'une mère, ou d'un frère, ou d'une sœur, ou d'une relation qui a été toxique, même pas mariée, d'une relation de 3-4 ans, pour entrer avec des cicatrices dans un mariage avec une personne étrangère avec qui tu veux faire ta vie, que tu aimes, mais à qui tu vas faire subir toutes tes peurs et tes angoisses d'avoir vécu avec l'Égypte, d'une certaine façon. Et ça, c'est une très grave erreur. Quand on rentre sous la choupa, il faut rentrer guéri. Parce que ce que ça a donné, quand on est rentré sous la choupa et qu'on n'était pas encore guéri, ça a fait le veau d'or. Le veau d'or est la conséquence de la cicatrice égyptienne. Et c'est ce que reproche un petit peu Moshe Rabbeinu à, je vous fais un remez qui vient du Hadat, magnifique, magnifique. J'adore ce rap. Eh bien, on voit que Moshe Rabbeinu reproche à Dieu d'avoir marié le peuple d'Israël un peu trop tôt. Il n'était pas encore guéri de l'Égypte. Qu'est-ce qu'il lui dit ? Mahanina misifrecha. Si tu veux tuer le peuple d'Israël parce qu'il a fauté le veau d'or, alors il n'y a pas de problème. Au niveau des enfants du Pshat, comme on dit, Mahanina misifrecha, efface-moi de grâce de ton livre. C'est-à-dire, tu savais, il n'y a pas le mot Moshe. C'est-à-dire. Mais ce n'est pas ce qui a marqué. Il y a marqué Mahanina. Mahanina, Mahanina. Ça veut dire quoi, Mahanina ? Non. Oui, au Pshat. Mais avance de Kita, passe en Kita Gimel. Efface pour moi le mot Na. Comment tu dis ? Mahanina, Chazak ou Baruch. Efface pour moi le mot Na. De quel Na il parle ? Daberna be'ozne Israël, ve'ishalou. Parle de grâce. Le mot na veut dire de grâce. Parle de grâce aux enfants d'Israël. Et ils demanderont aux Égyptiens de leur donner l'or et l'argent. Et leur robe, et ainsi de suite. Moshe Rabbeinu, il dit à Kadosh Baruch Hu, si tu veux punir les enfants d'Israël parce qu'ils ont fait le veau d'or, alors sache que tu es le responsable de cette faute. Qui a demandé aux enfants d'Israël de prendre l'or de l'Égypte, dans lequel l'influence de ce côté toxique, psychologique et pathologique de l'Égypte était imprégné. C'est pas toi, Hachem. Donc, si tu veux effacer les enfants d'Israël, il va juste falloir que tu effaces deux lettres de ton texte de la Torah. Mahani, na. N'est-ce pas toi qui, de grâce, a demandé aux enfants d'Israël ? Alors, le Hadat, il dit, il y a un très beau remez.
quel jour de la sortie d'Égypte, quelle est la lettre qui représente la sortie d'Égypte au niveau des jours? On n'a pas le temps, 50 jours. C'est la lettre Noun. Moshe, il dit à Kadosh Baruch Hu, c'était peut-être un peu trop tôt le mariage. Il fallait attendre encore, peut-être encore, un jour. Mahani na de Noun à Aleph. Encore un jour. Parce qu'on n'était pas guéri de l'Égypte. On n'était pas guéri de l'Égypte. Et qu'est-ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu? Il dit, oui, tu as raison. Sauf, si la Torah est le médicament de toutes nos souffrances. Et c'est la vérité. Si on a vraiment de la Torah dans le sang, si vraiment on a de la Torah, pas la Torah philosophique, pas de la Torah d'ordinateur, la Torah qui circule dans nos veines et qu'on a vraiment de la Emouna, t'as pas besoin de finir les 3 mois et t'as pas besoin de dire c'est trop tôt, c'est trop tard. C'est toujours pareil. D'ailleurs, avec les divorces, les gens ils te disent « Mais pourquoi t'as tellement attendu? J'ai pas compris, t'as fait encore un gosse. » Et quand tu divorces avant, « Mais je comprends pas, tu pouvais pas attendre. » Peut-être tu lui donnais encore une chance. C'est jamais comme il faut. Ah, bouge, on fait ce qu'on peut, on tient comme on peut. Zamatsav. Bien entendu, il faut se battre pour son bonheur, parce que la pire des souffrances, c'est le regret. Alors. On dit que la 50e porte de Touma, oui. S'il avait atteint l'âme Israël, c'est perdu. On va pas faire revenir. Donc, mon Moshe Rabbeinu a pu. 1-0 la balle au centre pour moi, pas pour toi. Je vais t'expliquer pourquoi. Ce que tu viens de dire, c'est mignon, mais c'est hors-jeu. On n'a pas parlé d'attendre qu'ils sortent des enfants d'Israël d'Égypte. Ça, il n'y a pas de problème qu'ils sortent le 15 du mois de Nissan. Mais pourquoi les marier le 50e jour? Zot Hachel. Ça veut dire, est-ce que la Kala est assez mature aujourd'hui de cette relation toxique de 210 ans en Égypte pour se marier avec le Créateur du monde? Zot Hachel. Et c'est pour cela que Dieu nous pardonnera toujours. Parce que hormis sa miséricorde incommensurable, il sait très très bien qu'on ne peut pas se débarrasser de quelqu'un de toxique qui t'a éduqué, qui t'a fait grandir aussi facilement que cela. Et comme le disent les vrais psychologues qui connaissent très bien les pathologies, eh bien, quand on a une mère pervers narcissique ou un père pervers narcissique, il y a toujours un ou deux enfants qui seront touchés, peut-être pas à 100% de cette pathologie, mais qui auront des bribes de cette pathologie parce qu'on va leur apprendre à être égocentriques, égoïstes, de penser qu'à eux-mêmes et de se servir des autres que pour ses intérêts. En tout cas, c'est... Ça fait partie de leur jeu au niveau de cette maladie-là. Alors, vous l'avez bien compris, le mois de Iyar possède des initiales Aleph Yud Yud Resh. C'est comme ça qu'on écrit le mois de Iyar. D'accord ? C'est Ani Hashem Rof Echa. Je suis l'Éternel, ton médecin. Le mois de Iyar comprend en lui 30 jours de Sfirat HaOmer parce que Dieu met la dose de la guérison psychologique pour qu'on soit digne de recevoir la Torah. Ce qui fait que s'il y a vraiment un mois, on doit se donner à fond, mais à fond, dans l'étude de Maseret Avot, de travailler nos midot, retrouve ta confiance en toi. L'Égypte t'a fait croire que tu n'étais qu'un esclave et que tu valais rien, comme le pervers narcissique qui te fait croire que sans lui, tu n'existes même pas, tu n'as aucune valeur, tu ne sers à rien, et ainsi de suite. De la même façon, eh bien, commence à croire en toi. Dieu t'a choisi parmi les nations du monde. Dieu a vu en toi le diamant qui existait. Reprends confiance en toi. Et le mois de Iyar, on va le constater maintenant, puisque je commence, sauf le cours, il faut peut-être temps de commencer, disait-il, eh bien, va nous l'expliquer. Petit A, ça vous plaît comme sujet? De toute façon, ça vous plaît ou pas, je m'en fous. Hein. C'est ce que je dois faire, alors je le fais. Hein. Pas comme moi. Amir. J'adore. Top. Shmo shel chodesh Iyar ou reshitivot shel amilim Avraham, Yitzhak, Yaakov, Rachel. On apprend ici une chose, c'est que, et quel rapport entre Avraham, Yitzhak, Yaakov et Rachel? L'explication est très belle. Il y a celle du Hadat que je vous cite tout de suite, qui s'est plongé sur le sujet. Le Hadat, quand il a étudié ça, il a compris que, effectivement, pour recevoir la Torah, il faut avoir ces 4 particularités. Allez, on va le faire ensemble. Avraham, pourquoi? Bonne réponse. Bonté. Être meilleur. Avoir un meilleur cœur. Ce que n'avait pas Pharaon. D'ailleurs, preuve en est. L'homme est homme, est là où vous voulez aller. Qui est celui qui est considéré dans toutes les pathologies comme étant un cœur de pierre? Pharaon, dans la Torah et dans la psychologie, le pervers narcissique. C'est fou, hein? J'endurcirai son cœur car il est déjà dur. Il n'a pas d'empathie pour son peuple. Il voit son peuple crever. L'Égypte est perdue.
Aucune empathie. Ce qui compte, c'est lui. Yafé Meod. Yalla, tfaddal. Avraham Ches Itzrak. Voura qui représente les halachot. Mets des barrières dans ta vie. Arrête de tomber. Va prier. Aie confiance en Dieu et retrouve confiance en toi. Va tetsé Itzrak. L'asseoir bassade. Vous savez que cette phrase, elle est très puissante. Itzrak est sorti dans les champs. C'est comme ça que ça devient traduit en français. Mais t'as rien compris. Et Itzrak sorti dans les champs. Avec qui? Belle des champs. Non, ça, c'est la pub. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Va tetsé, il est sorti lui-même. Il avait confiance en lui. Itzrak, avec le sourire. Et Mouna, bassadé dans la nature. Sadé, c'est les initiales de Din, Shalom, Emet. C'est ça? Comme ça dit la 18e Mishnah du premier chapitre de Maseret Avot. Qui enseigne ça? Balakati. C'est ça? Il a fait Chazak ou Baruch. Alors ça, ça va. Jusque-là, ça va. Yaakov, qui fait Ret. On parle de l'étude de la Torah. Mais Rachel, pourquoi? Quel rapport? Rachel représente quel symbole? Avraham, Yitzhak. Avraham, Slicha, Yitzhak, Yaakov, on sait. Chesed, Givura, Tiferet. Ça, on le sait. Mais Rachel, quel rapport? Rachamim, tout. Yafé Meod Amarta, et Rachel Mevakal Banea, mais elle représente autre chose dans la Torah. Avec sa sœur. Je vais t'aider. Babylonie. Babel. L'exil. La fin de l'exil. Non, non, mon chéchat, il va trouver. Bon, on n'a pas le temps. La Messiroute Nefesh. Ah, j'avais pas entendu. Donne une sucette à Avram Sebag. Absolument. C'est vrai que moi, le don de soi, ça fait vraiment sans te parler tout sans tout, tu vois. Elle représente la Messiroute Nefesh. Rachel, c'est celle qui devait se marier, vous vous rappelez? Et qui donne sa robe à sa sœur. Son père lui dit non, tu la cadette, tu te marieras pas avant ta sœur. Et elle donne les secrets à sa sœur pour ne pas que Yaakov humilie sa sœur. Et elle est contente pour sa sœur qu'elle ait trouvé son propre zivoug. C'est une femme qui représente la Messiroute Nefesh. Et pourquoi? Le Hadat, il explique ici, il dit, pourquoi Ia représente ces quatre lettres, Aleph, Yud, Yud, Resh, Avram, Yitzhak, Yaakov, Rachel. Il dit là-bas, il dit ici, il dit parce que c'est les quatre éléments pour conquérir la Torah. Il faut avoir quatre choses pour conquérir la Torah. Du Chesed, Gevura, Tiferet et Messirut Nefesh de Rachel. C'est elle qui ramène de Babylonie les enfants d'Israël. La reine Rachmanout, chez Rachel, c'est le don de soi, comme tu l'as très bien dit, qui le rapporte. Mais là, ici, lui, il donne une autre interprétation, qui est beaucoup mieux que celle du Hadad, bien entendu, puisqu'il vient du Nahalat Shiva Simanim, et qui dit Lama Otam, alors je vous lis directement, Mishum chez Sod Amerkava, ou Avram, Yitzhak, Yaakov et Rachel. Le Sod de la Merkava, le char divin. Le fondement du char divin, c'est Avraham, Yitzhak, Yaakov et Rachel, qu'on appelle Akarat Bait, qui est la Shekhina principale. C'est là? Et c'est pour cela que le mois de Iyar est réservé à cela. Deuxième explication. Ah, mamie? Non, ça c'est le... Alors, ça c'est le trône divin. Ça c'est, on parle du Kissé Rachamim. Du Kissé d'Akadjoukhou, c'est Avraham, Yitzhak, Yaakov, David. Là on parle du Merkava. La Merkava, c'est autre chose, c'est le char divin. Non, Regel, loa Merkava. C'est ce que je t'explique. Il y a une différence entre Merkava et Regel, la Merkava. Le Regel, c'est ce qui part du monde d'en haut vers le monde d'en bas. En tout cas, c'est ce qu'il explique ici. Shmo shel HaKodesh Iyar ou Reshetivot shel HaMilim Teilim Oyevai Yashuvu Yevoshu Raga. Pourquoi? Parce que au mois de Nissan, Chatsu Israël et Tayarden. Quand est-ce qu'on a traversé le Jourdain pour entrer en Israël après les 40 ans dans le désert? Au mois de Nissan. Venichnesu le Retzak Dosha ou Bechodesh Iyar. Echelou Israël et Ilachem l'Irvosh et Eretz Israël. Et c'est au mois de Iyar que la guerre a eu lieu en Israël avec Yoshua bin Nun. Quand on est rentré, c'est au mois de Iyar. Et la reine Iyar, c'est Oyevai Yashuvu. Les ennemis reviendront. Yevoshuraga. Et ils seront donc, en un instant ou de façon assez paisible, conquis. Oyevim l'Ichneu. Ils se soumettront. Hein? J'ai pas compris. Oui, alors exactement, c'est au mois de Iyar que la conquête d'Israël a eu lieu, et c'est au mois de Iyar qu'a eu lieu la reconnaissance de l'État d'Israël.
Exactement. La conquête. Ça. Bah, si vous voulez, comme ça, c'est aussi le. C'est en 1948 qu'est né Abraham, hein, de la création d'Adam Arishon. Il est né dans le Sefer Hadorot en 1948. Il y a plein de remazim qui sont faits sur ce jour-là. Bezrat Hashem, mais là, on n'est pas dans le Matzmaout. On est dans le mois de Iyar. Il faudra attendre, les mecs. Tov. On n'est pas encore au mois de Iyar, pardon. Shem Achodash Azeh Iyar Ureshitivot Shel Amilim Rotze Hashem Et Ireab. Pourquoi on appelle ça le mois de Iyar? Le Chazal Amrou, c'est les initiales de Akadosh Baruch Hu veut ses amis. Il parle des enfants d'Israël. Vare Bechodesh Ze Aav Hashem Et Israël Veratzabahem. Quand on est sorti du pays d'Égypte, à partir de quand Dieu l'a pu vraiment, vraiment nous prendre entre guillemets dans les bras? C'est au mois de Iyar. Pourquoi? Parce qu'on avait déjà complètement quitté l'Égypte. Donc là, déjà, on est le Shidour, c'est une Dora Aliane Kappara, Neshama Sheli Yaev Votin. Je veux me marier, je t'aime, t'es Kerot Yamush Libedish. Ou Bechod de Jehel, l'arrêt d'Israël, Aman Bamidbar. Et c'est ce même mois-là, le mois de Iyar, que l'Aman est tombé dans le désert, Kiblou et Be'era Shel Myriam, et que Akadosh Baruch Hu nous a donné l'eau de Myriam. Et qu'est-ce qu'elles avaient de particulier, l'Aman et l'eau de Myriam? Yafemehod, elle nous guérissait de toutes nos plaies égyptiennes, de toutes nos douleurs de l'Égypte. On voyait bien que le mois de Iyar est spécifiquement adapté, on va le lire noir sur blanc, tout celui qui a des problèmes de santé et des problèmes psychologiques, le mois de Iyar est le mois le plus adapté à la guérison pour ça. C'est le moment où il faut vraiment faire tout ce qu'il faut. Hein? C'est le mois où je me suis marié. C'est le mois où tu t'es marié. Depuis, comment ça va? Oui, très bien. C'est d'accord. Chez moi, Iyar. Le Roshitivot, Chez la Milim, Hachem, Hachem, El Rahoum. Alors, le matin, ça rejoint à Rav Moshe Shai, ce qu'il a dit tout à l'heure. Iyar, c'est Hachem, Hachem, Nachon, comment c'est marqué là? El Rahoum. C'est les initiales de Hachem, Hachem, El Rahoum. C'est là? Qui veut dire que c'est le mois de la miséricorde. Chodesh Ze, Anu Vakshim Rahamim Gdolim, Hachem Itbarach. Et c'est un mois où on peut se permettre de faire appel à la miséricorde divine, particulièrement, puisque c'est le mois du Chesed absolu. Le mois de Iyar. Mais zot, m'pne, che, yemi Sfirata Omer, em yemi, che, midat adin, Metucha ba'em. Et pourquoi on doit demander Dafka Midata Chesed? Parce que la Sfirata Omer représente Midata Din. Il faut commencer à monter les étages. Ça fatigue les jambes. Il faut s'élever spirituellement. Et c'est pour ça que d'un côté, il y a la Sfirata Omer, mais pendant le mois de Iyar, où Akadosh Baruch Hu est ouvert à la miséricorde. Cinquième explication, Iyar, Reshitivot, Ani Hashem Rofechad, bon ça j'avais déjà fait, Zgula Me'od, Rifuat, Anefesh, Urfuat, Agouf. Et c'est pour cela qu'on lit les Pirkei Avot pendant cette période, qui ont pour but, les Pirkei Avot qui sont parfaitement intégrés et bien étudiés, pas simplement tu lis. Moshe, Kibel, Torah, Misina, Misera, Choseh, on sait bien lire l'hébreu, on a bien compris, Chazaku Baruch. Non, tu commences à le vivre, Imena Nili Mili. Ouh. Ushalat Mimani, Vimlo Arshav et Matai. Qu'est-ce qu'il dit après Shamaï, Kanzem Mishnah? Oyomer. Et mort, Mehat, va, c'est Arbe. Parle peu et agis beaucoup. Ça, c'est important comme cours. Parle peu et agis beaucoup. Et agis. Ouais. Qui c'est qui parlait beaucoup dans la Torah et qui faisait rien? L'autre. Ephron. Non, non. L'autre, il a dit, il a fait. Et qui parlait peu et qui agissait beaucoup? Avraham. Lukachna Me'at Maïm. Un peu de pain, un peu d'eau. Il a apporté des langues de veau, batata belhaim, belkamoun. Tout ce qu'il a apporté. Couscous boulette, couscous taras. La vie totale. Ça me rappelle un peu Aïcha. Allez à Shalom, il y avait une tzadika qui vivait à Tibériade. Et à chaque fois qu'on passait avec ma mère à Tibériade, on devait aller la voir comme ça pour lui rendre visite. C'est une femme qui grande tzadika. Si je ne me trompe pas, je crois que c'était la cousine de Rabbi Moshe Deri ou la tante de Rabbi Moshe Deri. Et on lui disait, regarde Aïcha, on vient, on n'a pas faim. Non, juste, tu sais quoi, regarde, tu viens, juste une petite bracha. Shakol, Aetz, Adama, Mezona. Punaise! Et je dis, mais Aïcha, on vous a dit, on a mangé. 3 poissons différents, 18 salades, la viande. Et elle me dit, attends, je vais te faire un steak. Tu vas l'aimer. Halak, hein, halak. Tout est halak. Elle était toute petite. Et quand tu ne mangeais pas, elle te disait, pourquoi tu ne manges pas? Tu me vexes. Donc comme moi, en plus, je voyais beaucoup les guilgoulim dans la nourriture qui m'appelaient. Libère-moi, libère-moi. J'ai dû... Je lui ai fait plaisir. Moi, je lui ai fait plaisir. Et mort, méad va servir. C'est comme il y a plein de gens qui te vendent. Oh là là, et ça, c'est comme ça, et ça, et t'arrives.
Et mort me'ad va servir. Il faut vivre. Et c'est ce qu'il dit pendant le mois de Iyar. Le Icar de Pirkei Avot, c'est pendant le mois de Iyar. C'est là. Combien de Pirkei Avot on fait juste au mois de Nissan? 2. Hazak ou Baruch? Non, laisse tomber, c'est pas grave, je suis fatigué. Je laisse tomber. Je laisse tomber les questions. 2 et 2, 8. Hazak ou Baruch, je ne peux plus. Yatsua votenu me'arba. Tisha she'arim shel Touma. וכך רפואו נפשה משמתה משום כך בחודש זה מסוגל לרפואה גדולה ברוחניות בגשמיות ולכן שם אייר הוא השם אני השם רופך טוב, סמון לג'די שנה זה אחד ראש חודש זה בשבת ואין, אין פלוס זה אקספציונל זה לפון וסתום ופור פיניר בחודש אייר החל לרדת מן לישראל במדבר והמן נקרא בתואר לחם אבירים נפל סל למן לפן דיפור. C'est incroyable. La matza s'appelle le pain du pauvre. Et l'echem abirim, qui veut dire gibor, abir, c'est... Voilà. Eh bien, c'est la manne qui hu ma'achal shel malachim, car c'était la nourriture des anges. Ve hu ma'achal ze zar venaki, qui est pur et propre. Ven bo psolet, il n'y a en lui aucun mal. Hu ma'achal ze aya gorem lecholim hu ma'achalot ve adraba. Lo aya, slicha. Aman ou... Donc, c'est pas une nourriture qu'on pouvait... défecté aux toilettes. Haman ayamevi mazon mazor ou marpeh amitim legufam benafsham velachen shmo shel iya ou Hashem ani Hashem rofcha. Donc il revient sur le mot je suis l'Éternel ton médecin pendant le mois de iya par rapport à cela. Ok, on a fait un petit tour sur le mois de iya. Vous avez des questions? Bah oui, vous avez pas répondu à la question. C'est quoi ta question? Peut-être qu'il n'y avait pas de question. Vous avez dit que Moshe a dit à Hashem pourquoi il a fait sortir maintenant avec l'argent, avec l'or. J'ai répondu à ça. Tu regarderas le cours. C'est que Moshe, il dit à Hachem, si tu veux effacer le peuple d'Israël, efface le mona que tu as demandé. C'est un, ça, c'est un pérouche du Imrechen. C'est lui qui écrit ça. Et c'est le mona que tu devrais effacer du Sefer Torah. Mais comme s'il manque une seule lettre du Sefer Torah, donc Hachem, il est obligé d'accepter l'idée de ne pas effacer le peuple d'Israël. Sinon, le Sefer Torah ne serait pas saoul. En d'autres termes, il n'y a pas de Torah sans Israël. C'est bon. Mais encore un petit mot sur le mois de Iyar ou on s'arrête? Quel est le signe astral du mois de Iyar? Le taureau. Taureau, Gémeaux, c'est le mois de Sivan. Pourquoi tu dis les bêtises? Hein? C'est le mois de ta femme. C'est quand? Alors, Yom Huladed sa mère pour ton épouse, si je veux, au mois de Iyar. Le mois de Iyar, c'est le mois du taureau. Et le taureau est un signe très particulier. Il est très territorial. Le taureau, il a besoin d'avoir vraiment ses repères. Mais il a aussi une chose. Le taureau, c'est... faut pas le provoquer. Ouais, faut pas le chauffer. Maod. Qu'est-ce qu'on peut dire encore du taureau? Non, je vais pas me lancer là-dedans. J'ai déjà fait plusieurs cours sur les signes astraux. Mais il y a un très très grand rapport entre la préparation et le signe astral du taureau. Et un des points du taureau, c'est que c'est quelqu'un qui a tout le temps besoin d'être motivé en général. Le taureau est quelqu'un qu'on a besoin de faire avancer. Et il ne faut pas le provoquer, effectivement. Il peut passer très vite à un état de colère rapide s'il voit rouge. Vous avez compris ce que je veux dire. Avale, sinadracha, c'est un tidrour que l'on donne pendant le mois de Iyar. Et c'est un mois où on doit vraiment travailler particulièrement sa personnalité. Puisque Akadosh Baruch Hu nous permet de nous soigner psychologiquement plus favorablement que tous les autres mois de l'année et physiquement au mois de Iyar. Ça veut dire que ce serait, si une personne a une opération à faire entre le mois de Sivan et le mois de Iyar, c'est préférable le mois de Iyar. Yanni Hachem Rof Echaï peut compter sur l'influence du mois de Iyar pour sa refouach lema plus que les autres mois de l'année juive. S'il a un procès, au mois de Adar. C'est là? S'il a des dons à donner à Ouel Moshe, toute l'année. Voilà. Encore un cours après, parce que j'ai encore un cours. Ça vous dit? Allez. Allez, c'est reparti. Yala. Racha, Vatzlacha. C'est marrant, on a parlé du chiffre Na et ça avait 51. A tout de suite.